Euh, Michel Fitoussi, alors, je disais tout à l'heure que vous avez euh, été longtemps journaliste, vous travaillez pour le magazine Elle, on vous doit des romans, on vous doit des essais, on vous doit des biographies, et voici maintenant Janet, qui vient de paraître toujours aux éditions La Thèse, qui retrace le destin d'une femme euh, injustement oubliée. Elle s'appelait Janet Flanner, elle fut euh, l'une des figures du Paris artistique et intellectuel dans les années 20, elle a été l'amie d'Ernest Hemingway, correspondante du prestigieux journal de New Yorker. Et là, écrivez-vous, Michel Fitoussi, inventez le journalisme littéraire. On va y revenir. Votre roman euh, sur Janet Flammer est absolument remarquable. Et il m'a passionné. Mais racontez-nous, qui était cette Janet Flammer que, je dois l'avouer, je découvre sous votre plume j'ai découverte aussi par hasard euh, et tout de suite elle m'a elle m'a intéressée elle m'a intéressée parce que c'était une femme libre que c'était une femme euh, qui est partie pour conquérir sa liberté qui est partie à Paris elle était journaliste elle venait d'un milieu Quaker américain elle est née à Indianapolis euh, à la fin du 19e siècle elle est dans une famille un peu fantasque sa mère était comédienne l'influence très forte de la mère qui voulait que sa fille devienne comédienne elle n'a jamais voulu elle est devenue écrivain déterminée Janet, homosexuelle, elle l'a su sans doute très tôt, mais écrivain, elle voulait l'être à l'âge de 5 ans, oui. et elle n'a pas dévié. Et on, elle est... on est à la fin, vous l'avez dit, à la toute fin du 19e siècle, début 20e, elle le sait très tôt, comme Nina Mouraoui, bon, ah mais elle épouse. Un homme avec qui se noue, vous le racontez, une relation qui est une relation. Alors, ça, ce serait intéressant que la sociologue Janine Monsieur Lavaux fasse la même enquête, mais alors il y a 125 ans. Une relation euh, de complicité. Euh, elle épouse un homme qu'elle plus... n'aime pas, mais qu'elle aime énormément. Oui. Et elle épouse cet homme pour fuir sa famille, pour venir à New York. Euh, ils sont amis. Euh, il le sexe ça marche pas entre eux mais ça ne marche pas parce qu'elle le sait ça ne peut pas marcher, elle aime les femmes elle a toujours aimé les femmes et quand elle rencontre à New York alors qu'elle fait partie de, de la fameuse bande de l'Algonquin euh, avec des journalistes très célèbres qui veulent l'apprendre avec eux dont Dorothy Parker par exemple ces, ces, ces journalistes, ces gens brillants elle rencontre une femme, elle tombe amoureuse et elle doit quitter son mari elle ne peut pas faire autrement que quitter Solita. son mari Solita Solano qui lui ressemble qui est une journaliste, une journaliste brillante qui a voulu être comédienne, tiens, comme par hasard, comme, comme sa propre mère, et qui la presse de partir avec elle, et qui dit Fuyons en Europe. En Europe, on sera journaliste. En Europe, on deviendra des grands écrivains, surtout parce qu'elles veulent écrire toutes les deux de la fiction. Et puis, on sera libre. On sera libre d'aimer les femmes. On sera libre d'être qui on est, qui on veut devenir. Et je crois que Janet Flanner, elle part en France pour être une femme libre, pour être une écrivain, pour écrire. Et elle rejoint en ça. Euh, les, tous les Américains euh, qui arrivent à Paris en masse, dont Hemingway, qui va être un de ses meilleurs amis. Et elle, et elle cherche, comme tous ces gens, la gloire en fréquentant les cercles littéraires. Et elle devient journaliste en 1925, au moment de la création de, du, du New Yorker aux États-Unis. Et on lui propose de devenir la correspondante à Paris du New Yorker. Et pendant 50 ans, elle va écrire une chronique bimensuelle destinée aux New Yorker, une lettre de Paris où elle raconte ce que les Français pensent et ce que, et ce que les Américains aimeraient oui. savoir de ce que pensent les Français. Oui, c'est pas, ce, pas seulement ça. Ce que vous le dites souvent, et on le dit tout le temps dans cette émission, raconter, ça sert à rien. Il faut savoir raconter. Et la vente, presque, ce qui sera le ton du New Yorker, l'ironie, une certaine manière de tenir à distance la politique, mais de l'introduire comme ça, presque en contrebande. Euh, bref, une nouvelle forme de non-fiction une nouvelle forme de non-fiction, ça commence assez simplement, d'abord son patron Harold Ross, le, le fondateur du New Yorker, lui donne le pseudonyme de Jeanette Genet. Euh, elle se demandera toujours euh, pourquoi, en réalité c'est une francisation, une, une francisation du nom de Jeanette. et elle va signer sous ce nom et elle commence à écrire des petites chroniques, alors elle va partout dans Paris, elle, elle hante les palais de justice, elle parle de ses brillants amis, de, de, de ce Paris des femmes qu'elle fréquente avec euh, Nathalie Barnet, avec euh, Sylvia Beach, la la créatrice de la librairie, la fondatrice de la librairie Shakespeare et compagnie, Gertrude Stein, euh, tous ces gens brillants qu'elle... Bernie sabot la, la photographe, elle parle d'eux. Mais elle en parle de façon extrêmement brillante, incisive, avec de la distance, avec un style... Elle a fait des études de lettres, des études classiques. Elle adore la littérature, c'est sa passion. Et elle voudrait... Elle a toujours voulu être écrivain. Pour elle... quelles raisons ne devient-elle pas, pardon de vous couper, mais pour quelle raison ne devient-elle pas ce qu'elle voulait être C'est-à-dire, euh, elle qui se trouvera le bonheur dans les bras de plusieurs femmes euh, qu'elle aimera d'un amour inconditionnel avec une petite difficulté pour rompre enfin bon ça pour le coup je ne suis pas sûr que ce soit équipe. Uniquement... elle a des fidélités successives trois passions trois oui. femmes qui la construisent et puis comme c'est une grande séductrice et que l'amour aussi conduit et le désir conduit c'est pas elle a beaucoup elle a, elle, elle a beaucoup 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 de, de conquêtes une sorte d'ingwé au féminin elle... sur ce côté là Peut-être, peut-être, sauf qu'à la différence d'Hemingway, elles n'auront jamais avec, euh, avec ses conquêtes et elle les aime toujours et elle fait toujours en sorte qu'elles se fréquentent et qu'elles qu s'aiment. Et, et, mais peut-être également, puisque Hemingway a épousé quatre femmes et elle a eu, elle, trois, ouais. trois femmes, trois amours successifs. D'ailleurs, cette photo qu'on voit, c'est une photo prise pendant la, 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 à la fin de la, première, de la Deuxième Guerre mondiale, au deux D'ailleurs, elle trône au domago. Ils étaient tous les deux correspondants de guerre, euh, dépêchés par leurs journaux euh, en France, puisque Janet Flanner a passé la, une grande partie de la guerre aux États-Unis. Et ils étaient à ce point amis qu'un jour, euh, où elle était à l'hôtel ou où, où il y avait les, les, les correspondants de guerre. Euh, elle a la surprise de retrouver dans sa chambre, quand elle remonte du petit déjeuner, <laughs> Hemingway, tout nu, dans sa baignoire, qui prenait un bain et qui se délassait oui. dans l'eau chaude. Vous qu'elle seulement... qu le fout dehors. Elle le fout dehors, Manu Militari. Il se retrouve tout nu dans, la... dans le couloir de l'hôtel. Il lui en veut pas et ils continuent leur grande discussion sur l'amour et la littérature et le sport. Euh, il y a, vous l'avez dit, tout le... le gotha, pas seulement mondain, mais aussi intellectuel, artistique de l'époque, ajoutons Nancy Cunard. Euh, mais aussi euh, Nathalie, Nathalie Barnet, euh, et puis Colette. Assez méchante, oui. Il y, y a autour de Janet et ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'on ne le sait pas, toujours, un, un Paris des femmes. Paris mmh. était une fête à l'époque, comme l'a écrit Hemingway, mais Paris était aussi une femme. Et toutes ces femmes, Nathalie Barnet, Nancy Cunard, Jonah Barnes, qui a écrit mmh. un almanac des dames, mmh. euh, où elle raconte le petit monde homosexuel féminin euh, euh, parisien, mais Silva Beach la, et, et Adrienne Monnier, les bibliothécaires, enfin les libraires euh, de la rue de l'Odéon, Gertrude Stein, euh, Robin Brooks, toutes ces femmes, euh, Margaret Anderson, créatrice de la Little Review, qui est Edith Joyce, en 1916. Ce sont aussi toutes ces femmes hein, qui ont fait les... Les Américains son... et les Américaines à Paris. les femmes qui ont fait les Américains et les Américaines à Paris, on retient les hommes. On retient Hemingway, on retient Fitzgerald, on retient les, 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 les fondateurs de revues très célèbres. Euh, on ne les retient pas, elles, à part. Euh... Gertrude Stein qui savait très bien faire sa propre publicité. Ah oui. Puisque vous parlez des hommes, elle a quand même pris l'habitude de leur tenir la dragée haute. Je voudrais qu'on revoie cette archive parce que vous l'évoquez à la fin du livre. Nous sommes le 12 septembre 1971 à la télévision américaine sur la chaîne ABC et là, Janet Flanner va faire ce qu'il faut bien appeler... Un coup d'éclat et un coup de génie. Vous allez voir, sur le plateau de cette émission, ce n'est pas une émission littéraire, il n'y a que des hommes. Et notamment deux écrivains que vous connaissez bien, John Irving, deux écrivains qui se détestent et qui commencent à s'insulter très poliment, Norman Mailer et Gore Vidal. Et euh, Janet remet à sa place Norman Mailer, mais regardez. expert pollution. Let's, uh, I was going to say, I was not going to... insult each other, not only in public, but you, you act as if you were in private. That's the odd way. It's the art I of say, television, isn't it's it? It's very odd that you act so... You act as if you were the only people here. Aren't we? They are here. He's here. I'm here. And I'm becoming very, very bored. My... Goodness. Elle était très drôle, elle oui. avait un esprit. John Irving est mort de rire. <rire> elle avait un esprit magnifique, très incisif. Elle était connue pour son esprit, à la fois ses réparties extrêmement brillantes et, et les gens adoraient la fréquenter. On l'entendait de loin. Elle, sa mère aurait voulu qu'elle soit une comédienne. Elle avait mmh. gardé ce côté un peu spectaculaire, théâtral, pince sans rire aussi, un humour très anglais. Et puis dans ses textes aussi, ses textes sont. Il y en a peu qui ont été traduits en français, mais c'est. Toujours tellement drôle. Elle fait attention à la chute. Elle fait attention euh, au, au et même dans les te, dans, mais même dans les textes un, qui pourraient être un peu tragiques. Hein, ainsi, elle, elle, elle fait un portrait d'Hitler euh, en 1934. Elle part. Euh, elle demande à son au directeur de sa rédaction, à Harold Ross. De l'envoyer en Allemagne. Elle veut écrire un portrait d'Hitler. Il lui répond Mais vous êtes sûre, Janet Flanner, que ce type mérite plus de quatre lignes dans, dans, votre, dans, dans, dans votre chronique et, et elle répond Oui, oui, absolument, je veux écrire un portrait d'Hitler. Donc elle y va elle, elle fait un portrait, ce qu'on appelle un portrait en creux, parce qu'elle ne le rencontre pas. Il a déjà expulsé pas mal de journalistes américaines et d'autres d'ailleurs. Donc elle le rencontre elle met la dangerosité de, de, de l'homme. Elle le prend un peu pour un psychopathe ou pour un fou, mais qui à l'époque comprenait qui il était et elle commence en disant dans une nation qui aime euh, la bière euh, les saucisses oui. euh, les enfants Hitler est végétarien euh, ne fume pas et, et est célibataire et ça donne le ton euh, ça donne le ton du, du portrait le ton du portrait c'est également euh, ce qu'elle écrit sur la sexualité, vous rappelez que dans les années 70, quand elle rentre euh, aux États-Unis, une sorte de chape de plomb que John Irving décrit très très bien dans ses romans qui est tombée. On a le sentiment que Paris dans les années 20 est plus tolérante que New York dans les années 70 ou que l'Amérique euh, même aujourd'hui. C'était très intéressant ce Paris des années 20 que j'ai découvert en écrivant ce livre parce que d'abord on a le sentiment que toutes ces femmes que j'ai citées tout à l'heure, toutes ces artistes, toutes ces intellectuelles, toutes ces journalistes, toutes ces écrivains à plus vers Paris pour trouver la liberté. La liberté de travailler, bien sûr, mais aussi la liberté d'aimer. Ce n'est pas une débauche sexuelle qu'elle cherche, c'est la liberté mmh. d'aimer qui elles sont, la liberté d'être ce qu'elles veulent être, la liberté d'aimer sans se cacher, comme elle, pouvait le faire aux, enfin, elle ne pouvait pas elle, elle se cacher aux États-Unis, la liberté d'aller danser au Palmyre, au Anton, dans nos monocles, dans des clubs réservés aux femmes, la liberté de se travestir. Euh, Jeannette Flanner, on la voit euh, habillée en homme euh, sur la couverture, mais elle aimait beaucoup s'habiller en homme, sa compagne Solita Solano aussi, euh, la, liberté, euh, de, de la liberté de fréquenter d'autres femmes, la liberté d'aller dans les salons tenus par des femmes. Il y, avait, il y avait une liberté, il y avait une tolérance en tout cas euh, à l'homosexualité en particulier féminine. D'abord, euh, les hommes ne la craignaient pas, donc c'était facile. Et il y avait vraiment cette liberté-là. Janet Flanner n'était pas quelqu'un qui racontait, qui se racontait, qui elle n'aimait pas du tout parler d'elle. Elle, elle n'a jamais, dans aucun de ses écrits, dit je suis homosexuelle ou déclaré qu'elle l'était ou pris des positions. Euh, en faveur de sa propre homosexualité. Par rapport à sa mère. C'est ça qui est fou. C'est ne le dit jamais. Elle ne le dit jamais à sa mère. Elle a honte. Elle vit très librement oui, et, et quand tant de femmes à Paris, mais sa mère, non. Elle ne jamais. Elle met un océan entre sa mère et elle. C'est-à-dire oh, qu'elle ouais. arrive à Paris. Un océan et un continent. Un en fait, océan et un continent, Et sa mère accepte Solita Solano, qui devient la quatrième, la quatrième fille de la famille, sans jamais rien dire. cest une famille où on ne dit rien. Il vaut mieux que les choses ne se disent pas, mais elle s'accepte et, et et Janet n'a pas besoin de se, de se justifier une fois ou deux. Sa mère lui fait part de ses soupçons et Janet prend un air offensé en disant mais pas du, pas tout, du pas tout. Pas du tout. Et sa mère s'excuse. Euh... Je... D'ailleurs, le mari c'est mm -hmm. plaisir à mm -hmm. sa mère. Le mari mm -hmm. faire plaisir à sa mère. Le mari c'est pour fuir aussi mm -hmm. sa mère et pour lui quel lui faire portrait lui. Hein, quand même, Janet. Mais c'était une femme géniale. C'était une femme formidable. Lattes, sous la signature de Michel Fitoussi. C'est un roman, mais euh, c'est aussi une grande enquête.